Et ben salut tout le monde, c'est Mightyno et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec qui à votre avis si je parle sur du Call of Duty Black Ops avec le polaire, je déconne avec Roxer. Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je te laisse continuer. Et ben cette vidéo, ça va faire un bon bout de temps qu'on voulait la faire. C'est, à ton avis, Alcatraz, Mother's Dead. Non, en fait ce que t'as surtout fait, c'est que t'as mis en fait t'as appuyé sur le bouton central de la manette et voilà. Ça ne fait rien. Regarde. Et donc on voulait faire cette vidéo depuis un bail parce qu'en fait ça va faire au moins 4-5 mois qu'on s'est pas vu. 4-5 mois hein. 4-5 mois qu'on s'est pas vu. Et voilà, donc au final on n'a pas fait cette vidéo qu'on voulait faire, c'était du Mob of the Dead. Et vous l'êtes servi, donc on va faire 15 minutes de Mob of the Dead et je vais tout de suite lancer le chronomètre parce qu'après on va aller sur Buried. Non, j'ai bien Buried, c'est pareil. Voilà, sur Buried. Et c'est cette fois-ci Mightyno qui va le jouer parce que là c'est moi, Roxer qui joue. Je suis fait. Boisserie. J'adore le... présente la cité de Blancherie. Le plagiat est détecté. Donc est-ce que tu te rappelles un peu des trucs qu'il fallait faire? Donc on a décidé alors, de faire du gardien. Ouais. Et c'est tout. Voilà. Voilà, on va te mettre une matraque dans le cul. Non, en fait, je me souviens de rien. Moi, je suis pas très zombie, je suis pas très Black Ops 2. Voilà, mais bon, c'est un peu ça qui nous unit, c'est le zombie. En plus, ça rime. Donc voilà, il est quelle heure, cher ami? Il est 16, mais on regarde sur ton téléphone parce que ça ira plus vite. Ouais, voilà, ça ira plus en vite, gros, vous savez pas. On voulait vous proposer du zombie parce que ça faisait longtemps, hop, vous aimez. À quitter la partie, regarde. Mais eh ben on s'en fout de façon hein. C'est pas nous hein. Voilà. Nous sommes le 22 août 2013, nous sommes un jeudi. Il est exactement 19h16. Et donc on voulait vous parler d'un tas de petites choses parce que comme ça va faire 4-5 mois qu'on s'est pas vu, il faut faire une mise au point. Donc là on se retrouvera pour... Oh là, fais gaffe toi. Mais c'est vrai que... Ah mais non, c'est bon, il y a les grenades allées, ça va. Eh ben vas-y, t-bag. Attends, rien comme il en reste. Select, regarde, fais select. Ah bah voilà quoi, il y a égalité hein. Les équipes sont en train de... Hein? Non mais il s'est relevé l'autre en fait. Ils sont encore deux dans leur équipe. Et oh, c'est pas grave, au pire c'est quand tu vas les laisser tranquilles comme ça moi tu fais durer la partie. Hein. Bah oui, ils sortent de parler tranquillou. Voilà, donc oui. Là je m'emmène un peu les pinceaux. Donc je vous dis oui, ça va faire 4-5 mois qu'on s'est pas vu, on doit faire une mise au point. Car après tous les événements qui se sont passés, il y a un tas de choses qui ont influé un peu sur le cours de nos misérables petites vies qui sont entre les mains de Dieu. Voilà, et donc on a un tas de trucs à vous dire. Donc bah, en fait c'est Satan. C'est Satan qui est là. High five. Donc je pense que Monsieur Roxer va commencer par dire ce qu'il a à dire. Hein. Alors moi, j'ai pas pu voir Mightyno, on va parler de tout et de rien. Ouais, voilà. Là, bah, on va pas pu voir Mightyno parce que j'étais vraiment occupé, soit par les travaux, soit... Les travaux, mon ami. Les travaux de la maison. Les travaux. Oh, s'il vous plaît. Je on suis... a fait tout le temps cette blague. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, le travail, ou les travaux, comme vous voulez. Puis, après... T'as pas acheté le B2R, le B23F tu veux dire? Ouais, mais moi je sais pas pourquoi je dis B2R. Parce que t'es handicapé là, je déconne. Non, t'as compris ça. Donc voilà, j'ai pas pu le voir. Après il y a eu les vacances, du coup je suis parti en vacances comme. Je suis parti en vacances, c'est vrai aussi. Est parti, d'ailleurs on a bien profité, on s'est éclaté tous les deux. Enfin, on était pas ensemble, mais bon, on s'est éclaté quand même. Ensuite, bah là du coup on se voit maintenant et on voulait d'abord faire ce zombie et on refera sans doute des défis. Attends, c'est bon, il y a un bug. Oui, est-ce qu'en dessous là non? Ouais, ouais, il est tombé en dessous. Ouais, il est tombé en... Ouais, il y a eu un bug. Ouais, il est tombé bon, on regardera ça sur la vidéo. Hein. Ouais. Et... Oh, il y a un bug quand même. Mais tu vas te faire tuer. Oh, merde. Raté. Ah, il a crié. Ouais, il a crié. Faut peut-être baisser le... Attends, baisser le son de la télé, parce que sinon ça va faire un tout petit écho. Parce que... Hop. Voilà. Et c'est tout ce que t'avais à dire? Bah... Bah après on fera des défis, tu vois, les défis qu'on avait fait, faire le plus de kills avec la MSMC sans accessoire, ou l'exécuteur on avait fait, je crois. Ouais. Et là, toi t'avais fait la piste sniper. Je me souviens, moi j'avais fait le sniper, t'avais fait la piste sniper, t'avais à gérer.
Du coup, faut qu'on se refasse des défis sur le Black Ops 2 ou d'autres jeux. Et puis aussi, bah, j'hésiterai pas si tu veux à me joindre à toi pour faire des vidéos sur PC. Je sais pas. Enfin, ouais, voilà, trop de temps. Genre une ou deux vidéos, je commencerai avec toi pour que tu m'expliques un peu le jeu et tout. M'explique des trucs comme on avait fait sur Far Cry 3, je sais pas si tu te souviens. Ah ouais, ça c'est vrai, ça date d'il y a longtemps, mais bon. Ah, et Far Cry 3, ça date. Ouais. Sinon, voilà, qu'est-ce que. Je ouais. peux te laisser parler. Ouais, bah, ouais. Je me relaisserai après. Ouais. Allez, à toi. Donc sur ça, je pense qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Hein, voilà. Donc pour lui, il n'y a pas de grande nouveauté. Mais par contre, pour moi, une nouveauté. En fait, je redis tout ce que je vous ai dit en revenant des vacances. Parce que les abonnés de Rockstar aussi, je crois qu'il y en a quelques-uns qui me posaient des questions, je sais pas. Il avait demandé à quoi le retour des défis. Ouais. Il y en avait quelques-uns, voilà, surtout il y a Psycho qui m'avait demandé quand on reviendrait entre le duo un peu Rockstar et moi. Voilà, donc c'est une très longue histoire, j'ai un tas de trucs à vous raconter. Donc malheureusement, quand je suis revenu, mon PC est arrivé au bout de sa durée de vie normale et donc il a lâché. Donc non, donc le gros dilemme qu'il y a eu, c'est que Metro La Série, tout le playbook qu'il y a eu, je sais pas si tu t'en rappelais. Je m'en souviens. Voilà, et ben il y a tout qui a été effacé et tout a été reboot à zéro. Alors qu'il me restait encore que 4 parties à upload et c'est bon, j'avais terminé le jeu en entier. Donc au final, le jeu, j'ai regardé la fin sur internet, je me suis spoil moi-même. Et voilà, donc le jeu, peut-être que je vais reprendre un jour où j'aurai le temps, parce que là j'ai pas le temps. Et voilà, donc les défis vont reprendre. De mon côté, je vais plutôt m'orienter côté Windows 8, puisque vous saviez que moi, comme je tourne sur XP, mes logiciels me donnent pas toutes leurs capacités au maximum, c'est-à-dire que je suis obligé de bidouiller un peu les trucs, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ouais, il faudrait que regarde où est la boîte aléatoire pour voir. Voilà, regarde là. Regarde en ciel, là-haut. Pas de côté. Voilà. Et donc, vas-y, bute-le, il va à la boîte. Voilà. Il est où la boîte? De l'autre côté, tu te rappelles pas? Bah non, tu vas tout là-bas. Tu vas tout au fond, il va falloir que quelqu'un paye en fait pour nous. Voilà. Ouais, bah maintenant tout au bout et tu attends. Et donc on avait voilà, on voulait un bon petit retour aux sources tous les deux. Et j'avais pas terminé surtout, voilà. Donc j'ai malheureusement dû reboot la plupart de mes jeux. Les seuls jeux qui m'ont été épargnés, c'est TF2 et Killing Floor apparemment. Donc tu fais quoi là? 360. Oh putain. Toi t'as l'air, je suis pas mort en fait, mec. Et voilà, bah non, je suis concentré parce que là tu me fais peur. Ouais, mais il faut le mettre courant, va derrière pour voir. Ah non, regarde. Faut voir. Ah voilà. Voilà, et donc on voulait un bon petit ressort. Sur ce, la plupart des jeux ont été reboot et c'est tout. Hein. J'ai démarré pas mal de trucs comme Left 4 Dead 2 qui est mis un peu en pause car comment il s'appelle, Illimited, Full Metal et Derpy n'ont pas toute leur disponibilité à m'accorder. Et voilà. Et côté Sartoux CXZ, on se fait des petits trucs comme ça, fun. Mais comme l'Xbox est pour moi, j'ai un peu délaissé car ça m'a un peu saoulé parce qu'il faut payer et donc on n'a pas tout le temps les moyens, voilà. Ah, voilà, j'ai mis de côté. Et voilà. Et donc bien sûr les vidéos, hein, on a encore combien de jours? Bah c'est quand t'as rentré toi? Le 3 septembre. Et ben moi c'est le 7, voilà. Donc on a encore c'est combien? 7 septembre. Oh la chance. Ah la chance. Le coin, j'ai rien entendu. Et voilà, donc. Mais ouais, ça fait ça. Bon, ça va encore un peu de partie, c'est bon. Et bon, c'est pas très intéressant, mais bon, hein. Fais select pour voir. Merde. Ouais, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de gens, mais au moins c'est bien comme ça, les gens sont tranquilles et tu te fais pas emmerder à te faire que. On va dire que c'est du retour aux sources. Hein, et donc à la rentrée, comme vous savez, il y a pas mal de jeux qui vont sortir comme GTA 5, Watch Dog, Assassin's Creed, Black Flag, Black Ops 2, Battlefield 4, etc. Destiny, Titanfall. Voilà, Halo 5. Titanfall. Voilà, etc. Et Halo 5 en fait il sort dans un an, je crois. Ah merde, ils nous ont bien trollé. Ouais, c'est comme ça, c'est toujours pour tous les deux ans en fait. Voilà, et c'est donc sur voilà que la vie reprend son cours. Et par contre on aura beaucoup de moins à nous accorder parce que je pense qu'il va falloir se mettre beaucoup plus au boulot. Ouais. Voilà. Ouais. Parce qu'en plus, bon bien sûr je vous dis juste que Rockstar est dans une classe supérieure que moi, voilà. Et non, donc bien sûr, ils savent déjà. Ouais, voilà. Et donc pour vous aussi, vous êtes sûrement bien, car l'interview de Sartou, c'est un peu tout dit sur moi. Voilà. Et donc bien sûr, j'ai un peu mis de côté les études cette année pour les vidéos. Et bon, cette fois, il va falloir un peu se reprendre. Il y aura beaucoup moins de vidéos et ça tombe bien, puisque la plupart des jeux qui sortent sont pas vraiment les jeux que j'attends. Pour moi, j'ai un peu eu ma dose de Call of Duty et de Battlefield. J'attends Wolfenstein The New Order. C'est tout ce que j'attends qui sortira normalement le 31 décembre 2012. Et voilà, je pense que j'ai tout dit hein, et que là, on va plutôt se concentrer sur le gameplay. Donc là, apparemment, Rockstar
Je sais pas, mais j'ai l'impression que t'as pas l'impression qu'il y a une sorte de bug, car il y a que des zombies qui arrivent en masse et il y a toujours pas. Ah bah c'est bon. Et bah je te propose d'aller ouvrir la boîte aléatoire qui est carrément de l'autre côté. C'est 1500. Ouais, c'est 1500 ouais. Bon bah je te propose alors d'acheter des munitions de B2R, voilà. B2R. B23R, voilà. Je rigolerai toujours. Voilà, et de détendre. D'ailleurs, excusez-nous, parce qu'en fait, je vais entendre des joysticks. Bah c'est pas grave, ils sont habitués avec nous. Ouais, avec moi surtout, parce que. Enfin, parce que toi t'as le micro interne. Ah, ouais, ah bah ça va sur l'ordi, c'est chiant. Là bah c'est un prisonnier qui s'est fait avoir. Je ne sais pas viser. Attends, fais select. Je vais pas faire select. Ah bah merde, y'en a plus qu'un. Bon bah. Wow, bah au pire on refera une partie de Mob of the Dead. Bon, encore une lutte, et cette fois c'est moi qui jouerai. Je te propose qu'en fait nous fassions par exemple bah non, pire là si vraiment tu. Ah. Bah oulala, alors là c'est sûr que t'es dans la merde. Bon t'es mort. Voilà, bon. Donc là t'es à terre. Non, je voulais. En fait on est un peu en live là si vous voulez, donc c'est pour ça qu'on bégaye un peu et qu'on. On a rien préparé. Voilà, on a rien préparé. Arrivé chez moi, on a lancé. Voilà, parce que là ça fait un gros get back aux sources là. Come back. Moi je dis get back. Parle un peu de ta chaîne parce que mes abonnés verront cette vidéo. Parle un peu de ta chaîne. Elle mange des croquettes. Comme des chiens. Au supermarket. Oh là là. Bon, elle parle de ta chaîne à mes abonnés. Ouais, donc ma chaîne elle va bien, j'ai nourri avec des chocs à pic. Non, je déconne, bon voilà. Bon, ben la chaîne, bon, vous savez le problème qu'il y a eu avec Eric Anthony, je te rappelle. Ah, donc, okay. Donc il faut que je mette un peu Roxor au courant parce que je l'ai pas vraiment mis au courant. Anthony qui s'est barré. Il m'a lâché, mais par contre, il a laissé moi, une commune. Pas que c'était... Ah, mais j'ai vu ta vidéo. Voilà, il a laissé une commune. Avec Sertux. Ah, et ben ils ont ouvert, bah vas-y, ils ont ouvert, bah. Vu sur la chaîne de Sertux. Voilà. Voilà. Mais je crois qu'il est. Et je crois qu'ils ils ont vidé les couilles, ils dislike tes vidéos. Quoi? Ils dislike plus tes vidéos. Voilà. Parce que si vous voulez, Eric Antonix s'est barré en fait. Et il a laissé derrière lui ses sbires quoi. Et ses sbires en fait, ils doivent me booster ma chaîne. Va à la boîte à tort qui est de l'autre côté parce qu'en fait elle a changé d'emplacement puisque ils ont vidé les couilles de la boîte. Donc c'était un peu vulgaire ce que j'ai dit, mais bon. On m'a compris. Elle semble explosion. Bah ils sont fion. AK-47, allez vite, à nous, vite. Allez, une arme, vite, surveille parce que... PP2000, non, je déconne. Ah bon, bah, c'est déjà mieux que rien. Bon, on a attendu tout ça pour... Quand tabouret, s'il vous plaît. Voilà, donc, en gros, la communauté qui a laissé Eric Anthony derrière lui est plutôt fidèle à me booster, voilà, pour faire toujours passer France. Ouais, c'est des gros points. Voilà. Donc, je dirais pas plus là-dessus, voilà, donc, c'est à du passé, on va dire. Qui booste ma chaîne? Oh, merde, Brutus! Qui vous smash? Vite, il va démolir la boîte. Il va falloir que quelqu'un paye vite, bute-le. Bogus style. Non, mais là, c'est mort. Ouais, c'était nul. Et en fait, je sais pas, pourquoi on s'appelle les poneys, en fait. Pourquoi on a cette réputation d'être des poneys? Non, que je suis un poney, toi, t'es un Spartan. Toi, t'es un poney, moi, je rocks du poney. En gros, je te rocks. Hey, j'aime pas ce terme, se roxer. Bah, roxer, hein, ouais. Ah la méga punchline. Pourquoi Roxer? Car c'est un Rox du poney. Comment délire là? Allez, ouais. Oh, mais ma boîte là. Mais c'est un truc de malade, t'as vu l'enfoiré, il a eu la pistolet laser. Ah vas-y, il a que des armes. Merci. Recule-toi quand même parce que. Si j'ai le nounours, je t'explose la tête. Galil, c'est ça. Non, c'est Galouze. Va réanimer tes. Fais les laisser premier. Bon. Vite, va réanimer ton pote. Bah ça t'aurait fait des points en fait, c'est pour ça. Merde. Et là, le pistolet laser il crève. C'est comme donner un... Ouais, donc... C'est comme donner un hochet à Rambris, il faut dans le cul au lieu de taper sur la tête. En fait, t'as 1000 abonnés, j'ai vu dans la vidéo de Sertux, l'interview. Ouais. Mais en fait, l'autre t'a boosté, du coup, il a environ 600, on va dire, peut-être un peu plus, inactif, quoi, c'est chiant. Ouais. Moi aussi, j'ai 500 abonnés, mais il y en a quelques inactifs. Ouais. C'est des gens qui s'abonnent, tu vois, quand je suis passé sur Code CF, tu te souviens. Les mecs qui s'abonnent, en fait, ils restent pas sur... T'es passé sur Code CF? Bah oui. Ouais, c'était quand? Il y a 2 mois, c'était voilà. Pour un gameplay commenté, tu te souviens pas? Non. Oh purée! Ah ouais, c'était pas l'orange! Ah non, ça c'était une autre fois sur Ouais, mais ça c'est le What the Fuck Orange. Moi je suis tombé sur une vidéo où je commente, tu vois. Enfin. Non, j'aurais pas dû dire ça, t'as trop les boules. Là, non, ah, enfin, il faudrait qu'on fasse un duel commentary et qu'on essaie de passer sur Code QG avec un sujet super cool. Ouais, mais bon, je pense qu'un peu les abonnés s'en battent les couilles puis on passe sur Code QG. Bah au moins, non, mais passer sur Code QG. Voilà. Donc ça fait vraiment du bien de revenir aux sources parce que ça va faire un bon bout de temps que on n'avait pas fait de vidéo sur Black Ops 2 ou même sur la Xbox. Bah de mon côté, ouais, parce que Roxy en fait il fait des killionnaires. En fait, j'ai pas compris, mais les killionnaires c'est un peu les...
les score streaks, on va dire, limite de Halo, quoi. Par exemple, quand il y a le, comment ça s'appelle, le implacable, c'est un peu le killionnaire de Halo, quoi. Oh non, non, en fait pas vraiment. Explique un peu aux gens. Alors le killionnaire, c'est pas un petit peu le implacable. Le Halo, c'est massacre, c'est tuer 10 ennemis sans mourir. Mais vite la boîte, elle est pas chère. Bot à 10, bon. Oh mais non. Bon bah laissez se faire tuer par Brutus, hein. Même s'ils sont dans ton... Mitre, recule. Oh cul. Oh je déconne. Alors, le killionnaire, c'est quand tu fais 10 kills avec 4 secondes maximum d'intervalle pour chaque kill, en fait. En gros, tu fais un kill, tu tues un mec avant 4 secondes, Voilà. Et si bah, ça fait pas, bah, tu voilà. Et bah, c'est sur ce, les amis, que nous allons virer sur du burrit parce qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo. Et donc, j'arrête le compteur et je pense que Rootser va faire une grosse coupure. Qu'est-ce que t'en dis? Je propose de faire une grosse coupure et de quitter la partie. Non, bah, ouais, bah, quitte la partie parce qu'en fait, on s'en fout, voilà. Ouais, bah, oui, c'était juste. Voilà, on nous éclater, on va pas parler dans le vide avec un écran noir ou une image de voilà, donc... chat abattu. Je vais mettre une image subliminale. On va arrêter. Subliminale. Okay. Bon allez, on va virer. Allez, à tout de suite. Eh ben salut tout le monde, c'est Roxer et bienvenue pour la suite de la vidéo avec Mightyzo. Salut Mightyzo. Salut. Donc si vous regardez la vidéo dans la foulée, enfin dans les deux en même temps, bah c'est parfait. Donc on va prendre des chiens. Par défaut. Donc voilà, si vous êtes dans la suite vidéo, bah vous devez être dans le bain, on va dire. J'aime bien ça le bain. Ouais, moi aussi. Ah, ça m'a manqué ce M14. Et ben donc on se retrouve sur Burid, donc c'est ma première vidéo sur Burid apparemment. Donc de Burid je connais à peu près tout parce que vous savez la famille Kentin, Sertou XZ, on se cache là, donc moi je connais tout par cœur. Mais le seul inconvénient c'est que j'ai préféré faire une lutte parce que faire carrément un mode zombie, ça aurait été beaucoup trop long. Une heure. Voilà. Et t'as remarqué le jeu de mots 1280... non, merde. Je crois que c'était 1995. Donc on se retrouve directement sous terre parce que vous savez qu'en fait la map se situe en Centrafrique. Et ce qui m'a étonné c'est ça parce que moi je croyais qu'elle se passait dans le Far West. Donc apparemment elle se passe pas au même endroit. Bon il y a plus de gens sur Burid apparemment donc j'ai pas vraiment visité la map en entier. Donc ça c'est cloché. Ah je suis jamais allé là. Voilà donc vous savez que... Par... Non. Vous savez par exemple que... Hey, j'espère qu'il y aura il y a l'atout charognard dedans. C'est charognard ou c'est... Vautour. Voilà le vautour. Ah le M14 j'adore cette arme. Même si elle trouve que c'est de la merde, ils auraient dû la mettre en automatique car vous savez que dans la vraie vie normalement cette arme tire en automatique. C'est M14 tout pourri. C'est l'arme qui est toujours au début. Donc ouais, bon je connais pas trop cette map en lutte mais bon on va... Oh non, merde. En lutte je connais pas du tout, j'ai acheté. Ah bien ma parole. Mais quoi? What? What the fuck? Voilà, donc j'espère qu'on va pas... Ah, est-ce qu'on peut voir le manoir des putes? Non, on peut pas. Car c'est vraiment des putes. Oh cool, N94. Le manoir des putes. Vraiment des putes. C'est une ours. Non, à part, il y en a dit c'est des sorcières, moi je dis que c'est des putes parce qu'elles te volent ton argent. Je dis que c'est des... Astuce pour rien. Et quoi? Non, bah allez, j'arrête un peu les injures parce qu'on est quand même sur une vidéo publique. Ça passe jamais, non. Moins 18 en signe. Okay. Ah bon, alors, on va voir si ça s'ouvre. Ouais, ça s'ouvre. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de zombies, donc pour une fois, on peut voir que la map est plutôt bien ouverte pour une lutte, hein, d'habitude, car normalement, la map en lutte est restreinte, voilà. Comme vous avez dit, la partie d'avant, qui était déjà quand même restreinte. Alors, ça fait du bien d'être sur du burrig. Ouais, t'as jamais fait, t'as regardé beaucoup de vidéos, t'as connu tout par cœur. Ouais, mais bon. Donc, en fait, je vous raconte une petite anecdote que très peu de gens ont pu constater. C'est qu'en fait, la map, on joue en fait, au-dessus de nos têtes. C'est un, comment on appelle ça, une comment on appelle les trucs qui ramassent des graviers, qui concassent tout, qui prennent de la pierre, des exé, comment on appelle ça, il y a des exabatrices, tu sais, ou en fait, une carrière. En fait, à l'origine, au-dessus de nous, c'est une carrière en Centrafrique, mais bizarrement, quand ils ont creusé à l'intérieur et qu'apparemment un missile serait tombé à côté, des fissures se seraient faites et auraient libéré les zombies qui étaient en dessous, parce que normalement, sans savoir, les gens qui ont implanté la carrière au sud ne savaient pas qu'il y avait une ville enfouie en dessous. Donc c'est ça qui est assez étrange, c'est que fait une ville du Far West en Centrafrique? Et quel est ces mystères entre les zombies, on va appeler ça les péripatéticiennes, et voilà, etc. Et ben en fait, il n'y en a pas. Donc dans l'histoire, normalement, qui devrait sortir dans peu de temps par une tierce personne qui s'appelle 9977, voilà. Normalement, s'il en fait une. Il aurait expliqué normalement que cette ville... avant l'arrivée de Richthofen, car vous savez que l'élément 115, c'est Richthofen qui contrôle, maintenant et que les zombies qui ont les yeux bleus, tous les zombies contrôlés par Richthofen, et ben apparemment, Richthofen
serait pas le premier à être passé par ici. C'est-à-dire qu'une tierce personne inconnue à nous se... Oh merde, il m'a fait peur. Serait... Ah, je crois que c'était un veilleux. Serait passé avant Richthofen et aurait abattu une malédiction sur la ville, ce qui aurait tué tous les habitants. Et malheureusement, comme Richthofen a parfumé toute la ville et la carrière de gaz à l'immense cas, il a zombifié les habitants qui étaient déjà morts. Donc je sais pas si tu m'as trop suivi, Roxor, mais bon, tu as avoué quand même que c'est chelou. Ouais, j'ai compris. Donc c'est assez chelou, quoi. Comme quoi, Richthofen n'est pas responsable de ce qui s'est passé dans cette ville. Ouais. Et ça c'est troublant. Donc depuis tout à l'heure là je fais pas de kill, hein, ça me gave. Bah ouais, t'es à 110 depuis la manche. Ah, nickel. Bah en tout cas c'est problème. Par contre ça fait un peu des papillons. C'est l'effet papillon. Mourir avec petit machin, avec les vôtres. Et donc voilà, moi je connais pas trop le zombie, moi je ne connais rien du zombie, je joue au zombie, mais je ne connais pas. En gros, tu sers à rien. Mighty Zoo est plus histoire que grand joueur, on va dire, il va pas manger 50, quoi. Bah, moi, je vais pas manger 50. Moi, je suis plus jeu, j'essaie d'aller loin, et lui, il aime bien l'histoire, et moi, j'aime bien aussi l'histoire. Je trouve que c'est super, je vois tout le temps ses vidéos quand il y a des histoires, parce que je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, je vous invite à aller voir si vous publiez la vidéo sur la chaîne, je sais pas si vous publiez la vidéo. Normalement, oui. Normalement, oui. Donc, c'est super. Si vous voulez connaître mieux le zombie, allez voir sa chaîne, c'est super. Et il fait aussi des vidéos, donc voilà. D'ailleurs, remarquez que maintenant, toutes les maps zombies, en fait, ont l'ATH qui est différent. T'as vu l'écriture des balles, c'est en écriture western. Ouais. Et le truc pour switcher ici, les flèches, c'est une roue de charrue, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de charrues. Ouais, ouais. Voilà. Donc, on va parler un peu de tout et de rien. Bon, tu vas me dire un truc. Battlefield 4 ou Call of Duty Ghost. Allez. Bon bah tu me dis quoi alors Roxer ? Moi je te dis que je vais prendre Call of Duty Ghost, mais pas Battlefield 4. Mais je te dis que Call of Duty Ghost va faire faillite et que Battlefield 4 va complètement exploser. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Eh ben je pense que je suis de ton avis parce que, voyez-vous, ils ont amélioré un droit petit truc, mais bon. Apparemment, pas mal de gens diraient que ce Ghost est un MW3 2.0. En gros, c'est un W3, mais sauf avec deux trucs différents. C'est ça. C'est ça qui est chiant. Donc, comme j'ai passé sur Windows 8, ça c'est sûr. Hein, le boîtier d'acquisition, malheureusement, j'ai pas trop les moyens. Et j'ai surtout pas envie de me lancer dedans parce que je suis très sceptique à ce sujet. Il n'y a pas de zombies ici, bon. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Donc, je vais plutôt me tourner vers un Ghost sur PC. Donc, voilà. Bref, ce qui est bien, en fait, c'est que maintenant que Roxer est revenu, on va pouvoir vous reproposer des vidéos. Eh oui. Donc, bien sûr, car vous savez qu'on a une vie très chargée, on n'est pas tout le temps disponible. Hein. Je parle plutôt pour toi, Roxer, parce que moi, côté disponibilité, je suis tout le temps là, en fait. Ah, ouais. Toi, t'es tout le temps là parce que t'es tout le temps là. Et voilà. Moi, je suis partout, connard. Moi, je suis... Enfin, je vais pas trop en parler, on va pas trop parler de notre vie IRL. Hein. Voilà. Un peu moins, lui, que plus, on va voir peut-être cette année, on essaiera de voir plus, bien que moi je rentre dans une haute, on va dire, une autre place, et qu'il faut que je travaille, donc même bah, lui aussi doit travailler. Bah, c'est chiant le boulot. Eh oui, hâte d'avoir fini, n'est-ce pas? Ouais. Mais surtout, en fait, ce qui est chiant dans le boulot, c'est qu'en fait, moi je trouve que des fois, la plupart du temps, quand tu as ton année, ton année en fait, tes notes, elles varient un peu de tout, je trouve. Ouais, ouais. Ta situation sociale, les profs, si t'es bosseur, si t'es pas bosseur, voilà. Voilà, parce qu'en fait, je sais pas, mais les gens en fait... Ah, oh, merde, c'est bloqué. T'imagines que je me fais niquer ici. Voilà, moi je trouve que la psychologie, ça agit beaucoup, mais beaucoup, beaucoup sur... Sur les notes, etc. Attends, je veux pas me faire niquer là. Bah non, je peux passer à droite. Regarde, à droite. Derrière. À gauche. Non. À gauche. Là, à droite. Là, tout droit à droite. Ah, mais rien, quoi. Là, mais on rappelle plus que dans la banque, il y avait un endroit pour passer ici, voilà. Donc moi, je trouve que la psychologie, ça agit beaucoup sur les endurances. Il y a pas les armes. Ouais. Voilà, moi je trouve que ça agit beaucoup sur les notes et le mental des gens, la psychologie que t'as à l'école et tes profs, voilà. Bon, on parle pas trop des cours parce que c'est cool. Ouais, c'est cool de parler un peu de sujets différents. Voilà. Ah, il est pas là, il s'appelait comment? Non, je vais poser la question. Xbox One ou PS4 ou rester sur PC? Bon, Mathiso, je sais déjà qu'il va rester sur PC. Xbox One, c'est pas pour tout de suite car ça coûte la peau du cul. Moi, ah, mais merde, c'est vrai, il y a la boîte à la fin. Que je vais vendre plein de choses et que je vais pouvoir m'acheter une Xbox One, je pense. Et PS4, moi je... Ah, moi c'est sûr, je pas PlayStation, donc je suis pas très fan. Faites ce que vous voulez, mais bon, moi j'aime pas trop la PlayStation. Enfin, déjà la PlayStation 3, j'aime pas trop.
PlayStation 4, je pense que ça va être bien. Xbox One aussi, je pense que ça va. C'est juste le prix qui fait chier, sinon pour moi, les Xbox One. Enfin, je sais pas, il y a aussi les graphismes qui apparemment sont mieux sur PS4, mais je sais pas. Enfin, beaucoup disent ça, mais bon, les graphismes, c'est pour un petit truc qui change. Ils veulent plus. J'ai l'impression qu'ils voudraient plus optimiser ce la PS4, excusez-moi, pour une Xbox One. Ouais. Parce que c'est vrai que sur PS3, apparemment, je sais pas si. Bon, on va citer pas mal de youtubeurs parce que c'est quand même un peu notre inspiration. Voilà. Monsieur, c'est qui c'était? Est-ce que tu connais Woolbich? Bah oui. Woolbich, il avait fait remarquer qu'en fait, on payait le même prix un jeu et pour des graphismes différents et trouvait ça inadmissible. Car je trouve qu'il a totalement raison. Ouais, voilà. On paye un truc et on voudra avoir la même chose sur un support différent. Et c'est pas parce que c'est une licence différente que tout doit être différent. Voilà. Ouais, notamment on va les serveurs dédiés, je sais pas si t'as entendu ça. Non, moi j'entends rien du tout. Les serveurs dédiés, tu vois, sur Xbox One, il y aura des serveurs dédiés sur Call of Duty Ghost, mais pas sur la PlayStation 4, du coup il y a encore une différence. Avec les DLC qui arrivent à un mois à l'avance, bon ça c'est pas trop gênant, mais c'est quand même un petit peu chiant pour les joueurs PlayStation. Enfin, j'espère qu'ils tiennent le coup, je pense. Et moi c'est un peu chiant les différences comme ça. Ça vient que les deux consoles soient au même niveau, mais en fait, je sais pas si tu penses comme moi, mais en fait, je pense qu'ils s'arrangent. Ils s'arrangent beaucoup entre eux. Pour un est une chose, l'autre paye pas, mais l'autre n'est une autre chose que l'autre n'a pas. Et parce que si Xbox One paye ce que tu voudrais, bah, il mettrait aussi une Kinect dans la PlayStation, et comme ça. Ouais, bah ouais, il y a une PlayStation. T'as remarqué, il y a une PlayStation Move qui a pas du tout marché. Ah, ça n'a pas marché. Ça, ils avaient peut-être fait aussi bien une alliance, on va dire, pour pas copier, que l'autre fasse moins d'entrée, mais que l'autre fasse ça, tu vois. En fait, on a l'impression qu'ils sont vraiment ennemis, mais pas si sûr. On n'est pas sûr que ce soit. Oh le bug, regarde là-haut. Ah ouais, c'est un bug, c'est un atout qui reste en haut. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, Roxor, mais ouais. On va essayer de la voir, mais je pense pas que je vais la voir. Roxor, je te propose un truc, ça dit qu'on fasse deux parties. De buried. Non, mais deux parties, c'est-à-dire une partie de 30 minutes et la partie 2 sera 30 minutes encore. Non, j'ai pas compris. Là, on a fait 15 minutes de Mob of the Dead juste avant. Ouais, donc là, on est bientôt à 30 minutes. Ouais, on est maintenant à 30 minutes et après, on fait. On en refait une de 30 minutes, mais sauf mais que... pas sur le zombie, on fait un... Ouais, voilà, on fait un truc différent. Est-ce que ouais, ça me dit je te propose. Voilà. Enfin, je te... Ben voilà, bon, donc... on va rester un peu encore sur du zombie parce que vous en avez pas encore assez eu, je trouve. On mettra ça pas le même jour, parce qu'on mettra pas le même jour. On verra bien, parce qu'on un jour, très peu d'abonnés en commun, je trouve, en fait, moi et Roxor. Ouais. Ah bah génial. Bah, on doit avoir, je sais pas, 15 abonnés, 10 abonnés, non même pas. 5, 10. Allez, à moi la boîte. Bon, ouais, moi j'ai, je sais pas, t'as mis le lock automatique. Le lock automatique. Ah, ouais, le truc qui te permet de, ouais, de viser, de viser. Voilà, c'est trop bien ça car on aimbot. Après je propose qu'on fasse du multi. Ouais, un petit multi sur les nouvelles maps. Ils ont pas trouvé. Ouais, sur les nouvelles maps qui étaient dans le pack, c'était lequel le pack qui est sorti? C'était Révolution, voilà. Yeah. Buried, il est dans Révolution. Donc où est passée cette fucking boîte? Donc on laisse passer la revanche et après on quitte. Ouais, pour savoir, on est à 27 minutes. Donc voilà, donc normalement vous devrez voir les vidéos en premier sur les trucs à Roxor, mais bon. Bah ouais, je vais essayer de te les passer. Hein. J'espère que ça va pas trop être lourd. Ouais, mais ça va, c'est pas trop lourd. Au pire, je peux faire le montage, t'envoyer après sur Skype ou tu le repasses. Ah non, Skype, ça sera beaucoup encore plus sur YouTube. Bon, je pense qu'il va d'abord uploader et au pire, je verrai sur Mac USB s'il y en a assez. Au pire, ouais, c'est chiant, c'est qu'en fait, sur le logiciel Elgato, les fichiers ils ressortent super lourds. Donc voilà, on va arrêter sur cette manche 7, si vous comptez, oui. Et donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà, merci, et on se retrouve pour la partie 2 sur ce, peace tout le monde.